Le plan que les militants, bon, quand on dit les militants, c'est trop dire. C'est des jeunes, c'est quelques jeunes. Il pourrait y avoir des militants dedans, mais nous, nous savons que c'est des jeunes qu'on a mobilisés, instrumentalisés, pour nous violenter. Alors, maintenant, nous violenter pour qu'on remette le mandat, moi, je me demande comment ça va se faire. Parce que pour remettre le mandat, il faut démissionner du parti. Et nous n'entendons pas démissionner du parti. Parce que nous avons pris un engagement. Nous sommes engagés dans ce parti pour nous battre pour les valeurs de ce parti. Les valeurs, ils sont très claires. Et Zéphirin Diabré est le premier défenseur de ces valeurs. Les valeurs de dialogue, de tolérance, d'esprit républicain, ça, ce sont des valeurs qui sont défendues. Les valeurs de démocratie, ce sont des valeurs qui y sont défendues. Alors, maintenant que on quitte ces valeurs-là, on quitte ce cadre-là pour contraindre des députés à rendre des mandats, je pense que c'est une menace qui ne va pas être exécutée. Mais dans tous les cas, si cela venait à s'exécuter, nous, nous en tirerons les conséquences. Mais il n'est pas question pour nous aujourd'hui de partir de l'UPC, non. Nous nous battons à l'intérieur de ce parti pour défendre ce que nous estimons être donc les valeurs intrinsèques de ce parti. C'est simplement de dire aux militantes et aux militants de l'UPC que la situation est suffisamment sérieuse, qu'il faille qu'on sache raison garder, qu'on travaille à ramener la sérénité dans le parti, qu'on travaille à réconcilier les positions, qu'on travaille à consolider le parti pour le projet pour lequel il a été créé. Nous sommes en politique. La mort de l'UPC pourrait profiter à d'autres personnes. Ne leur donnons pas l'occasion d'en profiter. L'UPC est un parti de cadres d'intellectuels. Pas seulement de cadres d'intellectuels, mais au niveau de la direction du parti et des instances, nous avons suffisamment de cadres qui puissent faire une analyse objective de la situation et faire l'interpellation nécessaire pour que les choses se rétablissent.